بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc ceci est le quatrième cours sur la lecture et la traduction du livre Al-Qawl al-Mufid fi Adilat al-Tawhid de Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab al-Wissabi hafidhahu Allah ta'ala. Durant le cours dernier, on a expliqué expliquer le sens de l'attestation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah et quelle est sa signification? La matbou'a bihaqqi illa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que nul ne peut être suivi dans la vérité sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est suivi dans une chose où il n'y a pas de preuve, alors ceci est un égarement. Et on a cité des preuves qui justifient cela. Ensuite, le cheikh a expliqué les conditions de l'attestation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Ces conditions sont au nombre de 7. La première qui est de le reconnaître avec son cœur, de reconnaître le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son cœur. La deuxième condition, c'est de le prononcer avec la langue. Après l'avoir cru avec ton cœur, tu dois le prononcer avec ta langue. Ensuite, la troisième condition, c'est de le suivre sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il nous a ordonné de faire et de délaisser ce qu'il nous a interdit de faire. La quatrième condition, c'est de considérer vrai tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit et tout ce dont il nous a informé, que ce soit des choses passées ou des choses futures. Et la cinquième condition, afwan, c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que tu dois aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tes parents, plus que tes enfants et plus même que ta propre personne. La sixième condition qui est de devancer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car sa parole précède toutes les paroles. Et la septième condition qui est de immensifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le respecter et de lui donner sa valeur et le respect qu'il mérite sallallahu alayhi wa sallam. ثم يقول الشيخ حفظه الله مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. L'implication, les implications, ce que implique l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir connu la signification de cette attestation, après avoir été informé de ses conditions, maintenant le shaykh explique ce que cela implique. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وترك ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما بلغناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديم قوله على قول كل أحد من الناس كائنا من كان راجع لشروط أن محمد رسول الله ولمقتضى الشهادتين كتاب التوحيد المقرر الأول الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. Ce que cela implique, de lui obéir dans ce qu'il a ordonné, de considérer vrai ce qu'il nous a informé, de délaisser tout ce qu'il nous a interdit et les choses dont il nous a mis en garde, et de n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala que conformément à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis, et de précéder sa parole devant la parole de tout être humain, quel qu'il soit. Et pour celui qui veut plus de détails sur les conditions que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah et ce que tout cela implique,
qu'il revienne pour plus de détails à l'explication de Kitab al-Tawhid du Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan. ثم يقول المؤلف حفظه الله أين الله. Puis le Cheikh explique ou entame le chapitre Où est Allah. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى وقال تعالى ثم استوى على العرش في ستة مواضع من القرآن وهي أولا الأعراف ثانيا يونس ثالثا الرعد رابعا الفرقان خامسا السجدة سادسا الحديد الأعراف الآية 54 يونس الآية 3 الرعد الآية 2 الفرقان الآية 59 السجدة 4 الحديد الآية 4 وقال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. De savoir où est Allah Azzawajal est une chose qui est essentielle. De connaître ton Seigneur, de connaître Allah Azzawajal, celui que tu adores, tu dois savoir en apprenant l'unicité des noms et attributs. C'est à travers ce tawhid que tu vas connaître Allah Azzawajal, et plus tu vas connaître Allah Azzawajal, et plus tu auras peur de lui, et plus tu le craindras, subhanahu wa ta'ala, et également de savoir où est ton Seigneur. Où est Allah? Allah Azzawajal a dit dans surat Taha, le verset 5, le tout miséricordieux qui est établi au-dessus de son trône. Et Allah Azzawajal a dit dans 6 endroits du Coran, puis il s'est établi au-dessus de son trône. Allah Azzawajal a dit cela dans le 54e verset de Surat Al-A'raf, dans le 4e verset de Surat Yunus, dans le 2e verset de Surat Al-Ra'd, qui est le tonnerre, le 59e verset de Surat Al-Furqan, le discernement, le 4e verset de Surat Al-Sajdah, et le 4e verset également de Surat Al-Hadid. Dans tous ces versets, entre autres, Allah Azzawajal stipule qu'il s'est établi au-dessus de son trône. Donc, où est Allah Azzawajal? Il est établi au-dessus de son trône. Et d'autres versets dans lesquels Allah Azzawajal qui montrent le fait qu'Allah Azzawajal est au-dessus de ses créatures. Il dit Azzawajal dans Sourate Al-An'am, dans les versets 18 et 61, il est le dominateur suprême sur ses serviteurs. Allah Azzawajal domine ses serviteurs. Et celui qui domine est toujours au-dessus de le dominateur est toujours au-dessus du dominé. Et Allah Azza wa Jalla a dit également dans Surat Fatir, le Créateur, le verset 10, vers lui monte la bonne parole et il élève haut les bonnes actions ou les bonnes œuvres, ou les œuvres pieuses et vertueuses. Vers lui Allah Azzawajal fait monter vers lui la bonne parole. Et monter, c'est un mouvement qui va vers le haut. On ne dit pas il est monté en bas, on dit il est monté en haut. Ceci prouve qu'Allah Azzawajal est au-dessus de ses créatures. Et dans la sunna du prophète sallam, les hadiths sont nombreux aussi. Parmi ces hadiths, le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu. Wa an Abi Huraira radiallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي رواه البخاري ومسلم وعن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم
آسف كما يأسفون ولكني صككتها صكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي فعظم ذلك علي قلت يا رسول الله أفلا أعتقها أو أعتقها قال ائتني بها فأتيته بها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة أخرجه مسلم في صحيحه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباح مساء رواه البخاري قلت يا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا حتى إن ابن أبي العز قال في شرح العقيدة الطحاوية وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل قلت ولأهمية هذه المسألة فقد أفردها جمع من أهل العلم بالتأليف قديما وحديثا منهم الإمام الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار وانظر مختصره للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures, il a écrit dans son livre qui est auprès de lui au-dessus du trône. Qui est auprès de lui, c'est-à-dire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, au-dessus du trône, et y est inscrit dans ce livre, ma miséricorde est plus forte et a pris le dessus, ou a pris le dessus sur ma colère. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et la preuve est évidente pour tout le monde. Et l'autre hadith rapporté par Muslim dans son Sahih est le hadith de Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami radiyallahu anhu. C'est un long hadith. Et dans ce hadith, il dit radiyallahu anhu, et j'avais une esclave qui gardait un troupeau d'ovins qui m'appartenait et qui se situait autour de Uhud et de Jouania, qui sont des endroits proches de Médine. Uhud en fait partie, il fait partie de Médine. Et un jour, je suis parti voir, c'est-à-dire dans ce pâturage, et j'ai constaté que le loup avait emporté avec lui une brebis. Et je suis un homme parmi les fils d'Adam qui se désole comme, qui est désolé comme il se désole. Mais je l'ai giflé d'une gifle et je suis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam car cela était grand à mes yeux. C'est-à-dire qu'il considérait ce qu'il avait fait comme une chose de grave. Ainsi, il est parti voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai dit, ô envoyé d'Allah, ne dois-je pas l'affranchir? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, apporte-la-moi. Je l'ai alors apporté au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, où est Allah? Elle a répondu, il est dans les cieux. Et le professeur Hassan lui a dit, et qui je suis-je, ou qui suis-je? Elle a répondu, tu es l'envoyé d'Allah. Et le professeur Hassan a alors dit à Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami, affranchis-la, car c'est une croyante. Affranchis-la, car c'est une croyante. Le professeur Hassan a attesté de sa croyance, car elle a attesté, premièrement, de l'élévation d'Allah Azza wa Jal au-dessus de l'ensemble de ses créatures et
que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien l'envoyé d'Allah. Et le hadith est rapporté par Muslim dans son sahih. Et le troisième hadith, le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, que l'on a déjà vu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne me faites-vous pas confiance alors que je suis le digne de confiance de celui qui est au-dessus des cieux. Les informations du ciel, autrement dit, la révélation vient à moi matin et soir. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Wasabi, hafidhahullah, dit: et les versets ainsi que les hadiths dans ce chapitre sont extrêmement nombreux. Ils sont tellement nombreux que Ibn Abi al-Izz, rahimahullah ta'ala, un grand savant de l'islam, qui a expliqué entre autres Al-Aqidat al-Tahawiyya, il dit à la page 288 de son livre: et toutes ces sortes de preuves, ces différentes preuves dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallam, si elles étaient décortiquées, elles atteindraient ce qui avoisinerait les 1000 preuves. Elles atteindraient ce qui avoisinerait les 1000 preuves, qui prouvent l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de l'ensemble de ses créatures. Et il dit aussi, Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, et vu l'importance de ce sujet, beaucoup de savants ont écrit des livres consacrés à ce sujet en particulier, et les savants, que ce soit les savants anciens ou contemporains, parmi eux, le livre de l'imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a écrit son livre Al-Ulu lil-Ali al-Ghaffar, l'élévation du très haut et du grand pardonneur, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un livre qu'a résumé Cheikh al-Imam, le muhaddith, le savant dans la science du hadith, Muhammad Nasiruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala. ثم يقول الشيخ مراتب الدين ثلاثة. Les degrés de la religion sont au nombre de trois. وهي الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا الترتيب أخرجه مسلم رقم ثمانية عن عمر رضي الله تعالى عنه. فكل محسن مؤمن ولا ينعكس. وكل مؤمن مسلم ولا ينعكس. فالإحسان أخص من الإيمان والإيمان أخص من الإسلام. انظر تفسير ابن كثير في تفسير سورة الحجرات والذاريات وجامع العلوم والحكم شرح الحديث الثاني. Les degrés de la religion sont au nombre de trois. Il y a l'islam, la foi et la bienfaisance. Et ces trois degrés ont été cités dans le hadith apporté par Muslim, selon Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. C'est le hadith numéro 8 dans le Sahih de l'imam Muslim, qui n'est autre que le hadith appelé hadith Jibril. Et il dit, hafidhahullah, tout bienfaisant est croyant, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Et tout croyant est musulman, et l'inverse n'est pas forcément vrai. Ainsi, la bienfaisance est plus précise et plus restreinte que la foi, et la foi est plus restreinte que l'islam. Tout bienfaisant est croyant, mais tout croyant n'est pas forcément bienfaisant. Tout croyant et musulman, mais tout musulman n'est pas forcément croyant. Ainsi, la bienfaisance et la croyance sont deux niveaux et deux degrés de la religion qui sont bien précis. Et pour celui qui veut plus de détails, qu'il retourne vers le tafsir de l'imam Nukathir, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il explique les deux sourates
surat al-Hujurat et surat al-Dhariyat, et également de revenir à l'explication du deuxième hadith de l'Arba'in Nawawiyya dans le livre Jami' al-Ulum al-Hikam, al-Hafid ibn Rajab. Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullahu ta'ala. Et le hadith de Jibril est un hadith que l'on avait expliqué, ce que l'on a lu et traduit le livre de Cheikh Abdel Mohsin al-Abbad, rahimahullahu ta'ala, en 15 cours. Donc celui également qui veut plus de détails, qu'il retourne à ses cours. Ta'rif al-Islam. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. Ensuite, le Cheikh donne la définition de l'islam. Quelle est la définition de l'islam? L'islam, c'est la soumission à Allah par le tawhid. Et c'est se soumettre à lui en l'adorant et en désavouant et en se séparant du polythéisme et de ses partisans. C'est tout ça l'islam. C'est premièrement se soumettre à Allah par le tawhid. C'est se soumettre à Allah en lui obéissant, et c'est se débarrasser, et c'est également se désavouer du polythéisme et de ses partisans. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Et beaucoup de versets vont dans ce sens. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 19 de Sourate Ali Imran, la religion chez Allah, c'est l'islam. L'imam Sa'di rahimahullah a dit en expliquant ce verset, yukhbiru ta'ala inna ad-dina 'inda Allah l'islam, ay ad-dinu الذي لا دين له سواه ولا مقبول غيره هو الإسلام وهو الانقياد لله وحده ظاهرا وباطنا بما شرعه على ألسنة رسله إلى أن قال فمن دان بغير دين الإسلام فهو لم يدن لله حقيقة لأنه لم يسلك الطريق الذي شرعه على ألسنة رسله. Il dit rahimahullah, Allah Azza wa Jalla informe dans ce verset que la religion chez Allah, c'est-à-dire la religion, il n'y a donc pas d'autres religions qui sont acceptées autres que l'islam. Et l'islam, c'est de se soumettre à Allah seul, de façon apparente comme de façon cachée. Ainsi, l'islam ne peut pas être quelque chose de privé. L'islam est une religion qui est apparente, et ceci n'en déplaise aux ennemis de l'islam. La religion musulmane, c'est un mode de vie. Ce n'est pas quelque chose qui est privé, que tu fais dans ta maison uniquement. Non, la religion d'Allah Azza wa Jalla, l'islam, est une religion qui est apparente, qui a des emblèmes, et justement parce que tu es un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois être fier de l'adorer et tu dois montrer la vérité. Donc c'est de se soumettre à Allah wahdahu, seul, de façon apparente et cachée.
Et ceci en appliquant ce qu'il a légiféré à travers ses prophètes et envoyés, subhanahu wa ta'ala. Et il dit, rahimahullah, celui donc qui prend une religion autre que la religion de l'islam aura alors pris une religion qui n'est pas la vraie, car il n'aura pas emprunté la voie qu'il a légiféré, subhanahu wa ta'ala, à travers ses prophètes et envoyés. Et dans l'autre verset, Allah Azza wa Jalla dit, dans Surat al-Ma'idah, le verset 3, « Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. » J'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Al-Sheikh Sa'di, rahimahullah, dit, « Ay ikhtartuhu, wa stafaytuhu lakum dina, kamar tadaytukum lah, faqoumu bihi shukran li rabbikum. » وَحْمَدُوا الَّذِي مَنَّ عَلَيْكُمْ بِأَفْضَلِ الْأَدْيَانِ وَأَشْرَفِهَا وَأَكْمَلِهَا. Il dit, rahimahullah, lorsqu'il explique la parole d'Allah Azza wa Jal, et j'agrée pour vous l'islam comme religion, c'est-à-dire je l'ai choisi pour vous comme religion, comme je vous ai choisi vous pour la religion. Allah Azza wa Jal a choisi l'islam pour nous, mais il nous a aussi choisi pour l'islam. Remerciez-le donc. Remerciez Allah Azza wa Jal, remerciez votre Seigneur qui vous a comblé en vous offrant et en mettant à votre disposition la meilleure des religions, la plus honorifique et la plus complète. Et l'autre verset de Sourate Az-Zumar, le verset 54, où Allah Azza wa Jal dit, et repentez-vous vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vienne le châtiment, puis que vous ne trouviez pas de personne vous sauvant. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, en Sourate Al-Baqarah, le verset 132, ne mourrez qu'en étant musulman. Et il dit, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dans Sourate Al-Imran, et ne mourrez qu'en étant musulman. Et dans le verset 83 de Sourate Al-Imran, il dit, subhanahu wa ta'ala, est-ce autre que la religion d'Allah qu'ils veulent, alors que c'est soumis à lui tous ceux qui sont dans les cieux et dans la terre, taw'an wa karha, de bon cœur ou y étant contraint, et c'est vers lui que vous retournerez. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 85 de Sourate Ali Imran, et celui qui prend pour religion autre que l'islam, rien ne sera accepté de lui et il fera partie dans l'au-delà de ceux qui auront perdu. ثم يقول الشيخ حفظه الله أركان الإسلام خمسة. Après avoir donné la définition de l'islam, Cheikh explique les piliers de l'islam qui sont au nombre de 5. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. أخرجه البخاري ومسلم. تنبيه: تقديم الحج على الصوم هو المتفق عليه عند البخاري ومسلم، وأما تقديم الصوم على الحج فهو إحدى روايتي مسلم. Selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam est basé sur 5: l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adoré qu'Allah, que Muhammad est l'envoyé d'Allah, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, d'accomplir le pèlerinage de la maison et de jeûner le mois du Ramadan, et de jeûner le Ramadan, hadith apporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Cheikh
Mohamed ibn Abdel Wahhab al-Wasabi dit, il remarque le fait de précéder, ou le fait que le pèlerinage ait été précédé par rapport au jeûne et la version qui est authentique rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Quant au fait que le jeûne précède le pèlerinage, ce n'est pas un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, mais c'est un hadith rapporté par Muslim uniquement. Mais cela ne remet en aucun cas en cause l'authenticité de ce hadith. C'est l'avis de la plupart des savants, à savoir que le jeûne précède le pèlerinage. ثم قال الشيخ حفظه الله نواقض الإسلام عشرة. Après avoir parlé de la définition de l'islam, après avoir expliqué ses piliers, il explique maintenant ce qui contredit l'islam et ce qui annule l'islam et ce qui détruit l'islam. Et les actes qui annulent l'islam sont au nombre de 10. النقض الأول الشرك بالله وذلك أن يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم ويستغيث بهم وينذر لهم ويذبح باسمهم لو اعتقد دفع الضر أو جلب النفع من دون الله فقد كفر. Le premier acte annulatif de l'islam, c'est bien sûr l'associanisme, d'associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, hafidhahullah, et ceci en prenant entre lui et Allah des intermédiaires qu'il invoque, des intermédiaires à qui il demande l'intercession, des intermédiaires en qui il place sa confiance, à qui il demande le secours, à qui il fait des vœux, au nom de qui il égorge. Et si il pense que ces choses ou ces intermédiaires peuvent éloigner un mal ou apporter un bien en dehors d'Allah, il a alors mécru. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal en sourate An-Nisa. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose, et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Sourate An-Nisa. Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala a dit lorsqu'il explique ce verset, qui est le verset 48 de sourate An-Nisa. Mais Allah Azza wa Jalla a également dit cela dans le verset 116 de la même sourate. Il dit, rahimahullah ta'ala, yukhbiru ta'ala, annahu la yaghfiru liman ashraka bihi ahada min al-makhluqin, wa yaghfiru ma duna dhalik min al-dhunub sagairaha wa kabairaha, min al-dhunub sagairaha wa kabairaha, wa dhalika inda mashiyatihi مغفرة ذلك إذا اقتضت حكمته مغفرته. Allah Azza wa Jal informe dans ce verset qu'il ne pardonne pas à celui qui lui a associé une de ses créatures, mais qu'Allah Azza wa Jal pardonne tout ce qui est autre que cela, c'est-à-dire autre que l'associanisme, parmi les péchés, les petits ou les grands, et que ceci entre dans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'en dehors du polythéisme, les péchés, qu'ils soient petits ou grands,
sont sous la volonté d'Allah Azzawajal, à savoir leur pardon. Allah Azzawajal pardonne ses péchés si sa sagesse décide ainsi. فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسبابا كثيرة كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض وبشفاعة الشافعين ومن دون ذلك كله رحمته سبحانه وتعالى التي أحق بها أهل الإيمان والتوحيد. Les péchés en dehors de l'associanisme, Allah subhanahu wa ta'ala a mis à disposition plusieurs causes qui permettent à celui qui a commis les péchés en dehors du polythéisme de se faire pardonner, comme hamukallah, les bonnes actions qui effacent, comme l'a dit le prophète sallam, wa atbi'i as-sayyi'ata الحسنات تمحوها. Et fait suivre le péché d'une bonne action, car celle-ci l'effacera. والمصائب المكفرة في الدنيا, également les catastrophes et les malheurs dont peut être victime le musulman, qui seront pour lui un moyen d'expiation, par lesquels Allah Azza wa Jal lui fera pardonner des péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit qu'une épine qui touche le croyant, eh bien qu'il verra de ses péchés pardonnés par rapport à la douleur qu'il a ressentie par cette épine. Également al-barzakh, le monde intermédiaire entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà, qui est le monde de la tombe, qui également est un moyen de se faire pardonner, notamment lorsque la personne il subit un châtiment qu'elle ne subira pas le jour du jugement. Également, le jour du jugement est un moyen par lequel Allah Azza wa Jalla peut faire pardonner ou peut pardonner les péchés en dehors du polythéisme, et ceci à travers les invocations des croyants les uns envers les autres, mais aussi en profitant et en bénéficiant de l'intercession des intercesseurs. Et bien d'autres moyens, et sans aucun doute celui qui est le plus profitable et celui par lequel Allah Azza wa Jal pardonne le plus, c'est bien sûr sa miséricorde subhanahu wa ta'ala, qui n'est propre ou que mérite plus ceux qui ont cru en Allah Azza wa Jal et ceux qui l'ont unifié dans son adoration, et ce sont même eux qui profite et bénéficie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le mécréant ne profite pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Mais est-ce que le mécréant bénéficie et profite de la miséricorde d'Allah azza wa jalla dans cette vie d'ici-bas? Oui, car la bénédiction d'Allah azza wa jalla est vaste. Elle est vaste. Et le professeur Hassan a même informé dans le hadith que même les animaux en profitent, et qu'une femelle qui a peur pour son enfant, ceci grâce à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا بخلاف الشرك فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة وأغلق دونه أبواب الرحمة فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيد ولا تفيده المصائب شيئا وما لهم يوم القيامة من شافعين ولا صديق حميم. Et ceci, bien sûr, contrairement au polythéisme, et au polythéiste qui a fermé ou qui a privé sa personne ou qui a fermé devant lui les portes du pardon, et qui a fermé également les portes de la miséricorde. Ainsi, toutes les obéissances qu'il peut faire en dehors du tawhid ne lui
porteront pas bénéfice. Celui qui associe à Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il fait des bonnes actions, elles ne lui sont pas profitables. Et dans le hadith authentique, le prophète sallam informe qu'Allah azawajal leur donne la compensation des bonnes œuvres qu'ils feraient dans cette vie d'ici-bas. Mais en aucun cas, ils ne seront récompensés des biens qu'ils font dans l'au-delà à partir du moment où ils sont polythéistes et qu'ils adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, le fait d'être touché d'un malheur ne lui porte pas, lui porte au contraire préjudice et ne lui est en aucun cas bénéfique. Et le jour du jugement, ils ne profiteront ni de l'intercession des intercesseurs et ils n'auront le jour du jugement aucun ami proche. ولهذا قال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما أي افترى جرما كبيرا وأي ظلم أعظم ممن سوى المخلوق من تراب الناقص من جميع الوجوه الفقير بذاته من كل وجه الذي لا يملك لنفسه فضلا عمن عبده نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بالخالق لكل شيء الكامل من جميع الوجوه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا منه تعالى فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ وصلك الله عز وجل دي et celui qui associe avec Allah et celui qui associe avec Allah a alors commis un immense mal. Il a commis un crime gigantesque. Et quel crime est plus grand que de mettre sur le même piédestal la créature créée de terre qui a des défauts de toutes parts, qui est pauvre en soi, de toutes parts également, qui ne peut pour sa propre personne n'apporter ni de bien, ni rejeter de mal, elle ne peut le faire pour sa personne, comment pourrait-elle le faire pour celle qui l'adore? Elle n'a le pouvoir ni de donner la mort, ni de donner la vie, ni de faire ressusciter. De comparer et de mettre sur le même piédestal cette créature avec le Créateur subhanahu wa ta'ala, le Créateur de toutes choses, celui qui est parfait sur tous les points, celui qui est riche en soi subhanahu wa ta'ala, et celui qui n'a besoin d'aucune de ses créatures, celui qui a entre ses mains le pouvoir de faire du bien et le mal, de donner et de priver, et tous les bienfaits dont jouissent ces créatures proviennent de lui, subhanahu wa ta'ala. Y a-t-il une offense plus grande que celle-ci? وَلِهَذَا حَتَمَ عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخُلُودِ بِالْعَذَابِ وَحُرْمَانِ الثَّوَابِ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ. Et c'est pour cela, et c'est parce que c'est la plus grande des offenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clairement attesté pour celui qui adore autre que lui d'un châtiment éternel et de la privation de toute récompense. Il dit subhanahu wa ta'ala, celui qui associe avec Allah autre que lui, Allah azza wa jal lui interdira l'entrée au paradis et sa destinée sera l'enfer. وهذه الآية الكريمة في حق غير التائب. Et ce verset concerne celui qui ne se repent pas. أما التائب فإنه يغفر له الشرك فما دونه كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
أي لمن تاب إليه وأناب. Ainsi, Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas aux polythéistes son association et son polythéisme s'il meurt dans cet état. S'il se repent de son vivant, alors Allah Azza wa Jalla lui pardonnera même son polythéisme et tout ce qu'il y a en dessous, car la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla est grande, car la porte du pardon est ouverte tant que la personne est vivante. Et Allah Azza wa Jalla dit dans son noble livre, dit ô mes serviteurs qui ont porté atteinte à eux-mêmes ou qui ont offensé leur propre personne, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, c'est-à-dire les péchés de celui qui se repent à lui et revient à lui, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le polythéiste, le non-musulman, qui a auparavant associé à Allah, subhanahu wa ta'ala, s'il se repent, Allah Azza wa Jalla acceptera son repentir. Mais s'il meurt dans cet état, wal'iyadu billah, alors il fera partie de ceux qui séjourneront éternellement dans le feu de l'enfer, wal'iyadu billah. Puis, Cheikh Al-Wisabi, hafidhahullah, dit, et la parole d'Allah Azza wa Jalla, celui qui associe à Allah autre que lui, alors Allah Azza wa Jalla lui interdira l'entrée au paradis et sa destinée sera en enfer. Et les injustes ne trouveront aucun secoureur. C'est la première chose qui annule le tawhid. La deuxième chose, al-naqid al-thani, al-riddatu an al-islam, الردة عن الإسلام مختارا إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الشيوعية أو البعثية أو العلمانية أو الماسونية أو غير ذلك مما هو كفر وإن لم يعتقده. قال الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينه إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لرأيناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. وقال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Le deuxième acte qui annule l'islam, c'est bien sûr l'apostasie. C'est de rejeter l'islam envers, de délaisser l'islam en le choisissant. Mukhtaran, et ceci contredit, c'est le contraire de celui qui en est contraint. Et celui qui est forcé. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, comme dit Allah Azza wa Jalla, sauf celui qui est contraint alors que son cœur est plein de foi. قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ, et son cœur est apaisé de foi. Donc, c'est celui qui le fait de son propre chef
et qui en fait le choix. Celui qui rejette l'islam vers le judaïsme, le christianisme, vers al-Majusiyya, ceux qui adorent le feu, al-Shuyu'iyya, le communisme, al-Ba'thiyya, qui est le parti bassiste, bassisme, al-Ba'thiyya, c'est... Non, celui qui, à notre époque, celui qui est... Voilà, Saddam Hussein, le parti basse. Al-Ilmaniyya, le laïcisme. Al-Masuniyya, la franc-maçonnerie. Et toute autre chose qui sont de la mécréance. Wa in lam ya'taqid, même s'il n'y croit pas. Même s'il n'y croit pas. Le fait de sortir de l'islam et de rentrer dans une de ces mécréances, même si tu ne crois pas en cette mécréance, eh bien, tu sors de l'islam et tu as annulé en toi cette religion. Qala Allah Ta'ala, les preuves dans le livre d'Allah sont nombreuses. Parmi cela, la parole d'Allah Azza wa Jal dans sourate Al-Baqarah, le verset 217. Et ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à vous faire sortir de votre religion s'ils le peuvent. Et ceci sont, et ce que font les non-musulmans et les ennemis de l'islam qui ne cessent de combattre. Et Allah Azza wa Jalla dit, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce que vous délaissiez votre religion s'ils le peuvent. Et Allah Azza wa Jalla dit, et celui d'entre vous qui renie sa religion et meurent en étant non-musulmans, ce sont eux à qui les actes seront suspendus dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et ce sont eux les gens de l'enfer dans lequel ils resteront éternellement. Wal'iyadu billah. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans sourate Al-Ma'idah, la table servie, le verset 54, « Ô vous qui avez cru, celui d'entre vous qui renie sa religion, Allah Azza wa Jal apportera un peuple qui l'aimeront, qui l'aimera et qu'ils aimeront. Il apportera un peuple, subhanahu wa ta'ala, que lui aimera et que eux aimeront. C'est-à-dire, eux aimeront Allah Azza wa Jal. Ils seront modestes envers les croyants et ils seront puissants envers les non-croyants. Musulmans, ils lutteront dans le sentier d'Allah et n'auront peur du blâme d'aucun blâmeur. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Voilà les bienfaits d'Allah qu'il accorde à qui il veut. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Et Allah est immense et savant, subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Sa'di, rahimahullah, dit, il explique ce verset, يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين وأنه من يرتد عن دينه فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه وأن لله عبادا مخلصين ورجالا صادقين قد تكفل الرحمن الرحيم بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم وأنهم أكمل الخلق أوصافا وأقواهم نفوسا وأحسنهم أخلاقا. Allah Azza wa Jal informe que c'est le riche, celui qui n'a pas besoin des mondes, subhanahu wa ta'ala, et que celui qui renie sa religion, il n'aura porté aucun préjudice à Allah, mais il aura porté préjudice à sa propre personne. Ainsi, Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de ton adoration. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de tes prières, il n'a pas besoin de ton jeûne, il n'a pas besoin de tes aumônes. Tout ce que tu le fais pour toi et pour accomplir cette obligation qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné de faire. Mais quant à Allah Azza wa Jal, tes adorations n'ajoutent rien à son royaume. Et ta mécréance ne porte en rien atteinte à Allah
subhanahu wa ta'ala. Ainsi dans le hadith Qudusi, si les gens se réunissaient ensemble, insihim wa jinnihim, les djinns et les hommes, afin d'apporter un bien, cela n'ajouterait rien au royaume d'Allah. Cela ne rajouterait rien au royaume d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il dit aussi, rahimahullah, qu'Allah Azza wa Jal a des serviteurs qui sont sincères, des hommes qui sont véridiques, qu'Allah Azza wa Jal protège en les guidant, et Allah Azza wa Jal a promis de les apporter s'il le faut, et que ce sont des personnes qui ont un comportement et qui ont des caractéristiques des plus parfaites, des personnes qui ont une force de caractère et qui ont les meilleurs comportements. Ainsi, ceux qui renient leur religion, wal'iyadu billah, mais qu'ils sachent qu'il y a plein de musulmans et plein de musulmans et de musulmanes qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala en toute sincérité. أجل صفاتهم أن الله يحبهم ويحبونه فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه وإذا أحب الله عبدا يسر له الأسباب وهون له عليه كل عسير ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. Et parmi les caractéristiques de ces croyants qui adorent Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il les aime et eux l'aiment. Le fait qu'Allah Azza wa Jal aime son serviteur, ceci est un des plus grands bienfaits qu'Allah Azza wa Jal accorde à cela. Et un des mérites les plus grands qu'Allah Azza wa Jal leur accorde. Et lorsqu'Allah aime un serviteur, il lui facilite toutes les causes. Et il lui facilite également toutes choses difficiles. Et également, il lui permet de faire le bien et de délaisser le mal. وَمِنْ لَوَازِمِ الْمَحَبَّةِ ومن لوازم محبة العبد لربه أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أقواله وأعماله وجميع أحواله كما في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Et le fait qu'un serviteur aime Allah عز وجل, eh bien, il y a des conditions, et parmi ces conditions, c'est que cette personne qui aime Allah Azza wa Jal doit obligatoirement suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon apparente et cachée dans ses paroles et dans ses actes, dans l'ensemble de ces situations, comme l'a dit subhanahu wa ta'ala, « قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ » dit, « Si vous aimez Allah, alors suivez-moi et Allah vous aimera. » Suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et il dit subhanahu wa ta'ala, les autres versets qui prouvent que l'apostasie fait sortir la personne de l'islam, il dit subhanahu wa ta'ala dans surat Muhammad, les versets 25 à 30, ceux qui ont renié ou qui sont revenus en arrière, qui sont revenus sur leurs pas, après que la guidée leur ait été montrée, c'est le diable qui les a séduits et qui les a trompés. Ceci, car ils ont dit à ceux qui ont détesté ce qu'Allah a fait révéler, nous allons vous obéir dans certaines choses, et Allah connaît très bien ce qu'il cache. Comment seront-ils lorsque les gens viendront arracher leur âme en frappant leur visage et leur derrière et en disant ceci par ce que vous avez suivi
ce qui a provoqué la colère d'Allah, وكرهوا رضوانه, et qui ont détesté la satisfaction d'Allah, et ainsi Allah a aboli leurs actes. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. Ceux qui ont une maladie dans leur cœur, pensent-ils qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fera jamais apparaître leur haine? ولو نشاء لرأيناكهم. Et si nous voulions, et si nous l'avions voulu, nous t'aurions, nous les t'aurons montré, ou nous les aurons montré, tu les reconnaîtrais par leurs traits, et tu les reconnaîtrais par le ton de leurs paroles. Wallahu ya'lamu a'malakum. Et Allah connaît parfaitement vos actes. Ici, Allah Azza wa Jal parle des hypocrites. Ceux qui ont une maladie dans leur cœur, et on a déjà parlé de cette maladie, qui est la maladie du Salamatullah. Quelle maladie ont les hypocrites dans leur cœur? Le doute. La maladie du doute. Pensent-ils, ceux qui ont la maladie dans leur cœur, c'est-à-dire du doute, qu'Allah Azzawajal ne va pas faire apparaître leur haine, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal ne va pas montrer leur cas, et ou qu'Allah Azzawajal n'est pas capable de montrer et de les dévoiler aux musulmans? Et Allah Azzawajal dit, si nous avions voulu, nous te les aurions montrés, et tu les aurais reconnus de par leurs traits, et tu les aurais reconnus également dans leur façon de parler. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans l'autre verset de l'Maïdah, « وَمَا يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ » Et celui qui mécroit à la foi, alors ses actes seront abolis, et il fera partie dans l'au-delà de ceux qui auront perdu. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui prouve la gravité de l'apostasie et que c'est un acte annulatif de l'islam, le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui change sa religion, tuez-le, apporté par Al-Bukhari dans ce sahih. Et selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le sang d'une personne musulmane est interdit à celle qui atteste qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, sauf dans un des trois cas, al-thayyibu zani, celui qui a été marié et qui tombe dans la fornication, ou al-nafsu bin-nafs, c'est-à-dire la loi du talion, l'âme par l'âme, ou al-tariqu li-dinih, al-mufariqu lil-jama'ah, celui qui délaisse sa religion et qui se sépare des musulmans. Rawah al-Bukhari wa Muslim, hadith authentique rapporté par al-Bukhari wa Muslim. Nakfi bihadha al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.